C'est une mauvaise idée. Ça va faire musée Grévin. Pas du tout, tu vas voir. Ça tue le mystère. C'est une main qu'on doit imaginer. Ah mais attends, si ça va pas, on la coupe au montage. La Mimine, elle va faire la rue Michel, mes enfants. Ouais, on verra ça, on verra. Au bonheur, 248 première. Partez. Reprenez votre argent. Bon Dieu n'accepte pas la charité. Vous m'avez ruiné. Jeté à la rue. Et vous ne triompherez pas longtemps. Vous avez créé une machine monstrueuse. Merde. Coupé. Une machine monstrueuse. C'est écrit par un minable merdeux. Tout le monde reste en place. Et je suis en place. Ce n'est rien, Michel. Allons foutez-moi la paix. Dans 20 ans, le commerce ne sera plus qu'une bataille immense dans laquelle la qualité, la probité, la confiance seront sacrifiées. Prenez garde, Mouret. Vous instaurez le règne de la camelote et du tape à l'œil. Mais patience, tout se paye. Vous aussi un jour. Vous aussi un jour. Quoi, vous aussi un jour. Quoi ? Coupez. Je ne peux pas. Je ne peux pas continuer de jouer surveillé par la chiotte. Michel, on se repose 3 minutes. Partez! Rapide. Plus rapide. Ça marche pas. Y a rien sur les assiettes. Rien, ça se voit. Il faut mettre des cloches sur les plats, les assiettes. Ou alors il faut régler les mouvements autrement, que les figurants fassent rideau devant les plats davantage. Oui, marche pas! Y a rien dans l'assiette! Dans le plat, c'est ridicule! Et les figurants là, ils fassent davantage rideau devant les plats! Mais qu'est-ce qu'on met dans les plats? Bah, comme d'habitude, rutabaga, topinambour, salade. Mais y a plus rien! J'ai eu de laitue hier, ils me les ont bouffés le temps que je tourne la tête. Jean, s'il vous plaît. Oui, monsieur Petit. Et moi je. Non! Il est gentil, Spack, mais pourquoi il nous écrit que des scènes avec de la nourriture? 2 mois de prison.